Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont sur chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et si on a l'autre plaisir, l'autre occasion, nous tournons encore sur la plateforme non, avec une autre émission. Moi, salut toutes les amis qui branchent Parler Haïti, La Voix du Peuple. Eh bien, salutations par nous spéciales. Que Papa Bon Dieu continue de bénir nous toutes. Et nous saluons toutes les fanatiques qui sont internationales là, Captain de Cap Gardé, Radio Parler Haïti, La Voix du Peuple. Eh bien, merci en pile. En allez, information, brique chargée, pas campé, information. Et bon, faire émission avec dossier colonel Imler Ribi. Ancien colonel Imler Ribi, il réagit sous dossier avion Canada qui n'en paye pas pour question insécurité. Eh bien, ancien colonel Imler Ribi, il dit qu'il y a un grave problème dans l'annonce. Autorité canadienne, il a fait pour dire qu'un avion a fait patrouille sous tête pays d'Haïti. Et ancien colonel Imler Ribi, il dit c'est un message qu'il a envoyé par gang pour dire c'est pour cacher, pour être capable. Et fait gang yo fait théâtre et yo même colonel Imler Ribi dit opération militaire toujours faite en secret. Li dit si pays Canada vraiment vrai t'es venu pour bay Haïti yon aide dans question insécurité a, et bien li déclaré j'ai a fait là, li pa t'a fait comme ça vrai. Li dit et pays Canada avion ça nous wè a yo vin faire gang yo et marron pour yo dit gang yo marron. Mais ce n'est pas un sac qui a fait vrai. Vraiment, opération, elle a supposé faire en secret. Eh bien, c'est thème ça qui pourra parler. Et ancien colonel Imler Ribi qui t'a parlé dans l'émission. Eh bien, nous-mêmes, nous allons rediffuser l'émission pour Zami Radio Parler Haïti. Pour nous tendre intervention ancien colonel là, et puis nous avons intervention. Nous, qui ça nous pense après nous finir tendre. Eh bien, c'est peut-être ça. Je vous dis à même, nous pourrons faire autant de déclarations ça. Côté colonel Imler Ribi parler sous question insécurité. Émission ça est vraiment important pour nous tendre et c'est là dans tout. Nous allons tirer quelques points pour nous capable faire voir nous passer dans Radio Parler Haïti. On allez, on nous tendre émission. Qui première impression là où tu es capable de recevoir information ça qui est venue directement de l'ambassadeur au Canada. Bon, premièrement, une anomalie extrêmement grave. D'abord sur le plan militaire strictement, parce que yon opération militaire, c'est bagaille qui se mettait sous le sceau du secret. Il est pas normal pour entreprendre une activité militaire de quelque nature que ce soit. Par exemple, ça qui fait là, c'est ça, il y a une activité de reconnaissance. Maintenant, activité de reconnaissance, à quel niveau? Est-ce que son activité de reconnaissance initiale? Est-ce que son activité de reconnaissance cartographique, de vérification cartographique? Parce que généralement, lors de mon opération, dans une zone, vous supposez qu'on ait caractéristiques zone. Là. Maintenant, vous supposez tout vérifier caractéristiques. Donc, c'est ça, une reconnaissance au second degré. Et il y a finalement la reconnaissance spécifique. Ça veut dire que le, par exemple, vous finissez tout élément d'information, ou décidez, ou pour opérer dans telle zone, et puis laissez rentrer dans la caractéristique du terrain, ou cela veut dire que ça mouait en l'air. Si vous mettez en terre, est-ce que le correspond? Et il faut nous connaître que la technologie a extrêmement développé, qu'on y a. Et il y a une pile phase dans, ça, l'évolution classique, on trouve son terrain, que la technologie éliminée ou bien facilitée. Mais généralement, toute bagasse est faite dans le secret absolu. Le seul fait de rendre public une information comme ça, plus une information, vous voyez par ennemi potentiel là, que population est avlée théoriquement protégée. Moi, toujours dit, lui, nature terrain, typologie moun réel cap opéré, parce que moun réel cap opéré en Haïti, c'est pas ti bandit noué ou mette en avant. C'est pas pile ti moun noue qui vont fusil nan men yo, fusil a pu repasser yo. C'est pas eux-mêmes. Et étrangers yo, les Américains surtout, les Canadiens, par rapport à leur relation avec les Américains, connaît très bien caractéristiques humaines, moun qui met question, qui a organisé toute stratégie de mise en œuvre insécurité en Haïti. Yo connaît yo. Et c'est parce que vous connaissez qui fait prendre des précautions et vous pas pour faire venir comme ça. Maintenant, monde qui souterrain, qui organise ce qu'on appelle le siège de la ville de Port-au-Prince, ce ne sont pas les bandits. Et vous parlez même langue avec monde.
qui censé abdi a venir dans CEO. Donc moi prendre plus un message que gouvernement canadien par la peur qui a toujours habité les Américains et qui habite aussi les Canadiens. C'est pas force yo pas gagner non qui fait peur. Des fois c'est trop force yo gagner, yo pas connait qui gens pour utiliser cette peur là. Yo transmet yo information by Edwin lui-même pour dire ranger quoi l'on côté pas sorti faire action parce que nous là nous obligé venir. Donc c'est comme c'est plus un message adressé aux grands bandits eux-mêmes car et infrastructure que tu as supposé défendre là. Parce que le principe général c'est que quelle que soit nature opération militaire l'objet secret. Donc sous le niveau public c'est pas ça que ça tout bon raison. C'est quand couleur en Haïti on a mis des mandats derrière moun et puis yo getan publié dans la presse que met mandat derrière tel. C'est quoi le message? Le vrai message, c'est que mon cher pas mettez nous dans situation pour nous rencontrer avant parce que nous t'avons obligé à retourner vraiment si moun ouais nous ouais au grand la journée donc à le mettre quoi en côté. Donc c'est pas résoudre problème de fond que nous gagnons. C'est ça me toujours dit. C'est dans le cadre de sa réunion cover up operation. Donc cover up operation, c'est un bagage au fait. On appelle ça en français, tu fais comme si. Tu fais comme si vraiment tu allais résoudre le problème. C'est quand Koumda Kabdou, yo filmé des mandats derrière, yo lagué ça dans la presse. Et puis, on m'attend, ouais, commissaire du gouvernement, ben, juge là, débarque avec deux, trois policiers, Vinakaou le connaît très bien, pas là. Mais le vini quand même, tout le monde, ouais, le devine derrière. Donc, si vous êtes échappé, c'est pas lui-même. Maintenant, le gros danger pour la population, bon, fini avec ça, c'est que si vous réalisez un cover-up operation, vous prenez la population sentiment que vous résolvez le problème, non? Bon sentiment de liberté, moun wè yo kap traverser Matisse à l'aise, yo capable aller dans le nord, etc. Et puis yo pral font propagande pour yo rentrer dans conscience population que problème nan résoudre, yo capture deux trois petits bandits piti pour ba preuve que yo fait réaction et puis qu'on yo dit comme problème nan résoudre, nous capable faire élection. Et comme raison fè yo pa vle pote fal yo carrément apprêté à plat. Dès lors que vous finissez faire opération, et vous réalisez opération, plus important, faire élection apparemment, il y a vous étirer quoi, et puis, nouveaux dirigeants, vous pouvez le confronter à même problème, non, quoi, parce que problème, n'a pas résoudre, au fond, il résoudre en surface, il y a les ça, comme si, il fait comme si, problème, n'a résoudre, c'est ça, il y a un cover-up operation, et étranger, on va dire, c'est seule manœuvre que vous êtes capable de faire, la situation présente. Et nous comprenons le titre là. Alors, sauf que moi, dans un tweet, les faits, et, lui mentionnait que, alors, il n'y a pas de bail plus et détails, ou bien il disait qu'il n'a pas fait l'autre commentaire par rapport avec Mission Sarah, qui a fait en collaboration avec accord au gouvernement, haïtien, comme quoi, et, information que les disent, ou bien les bailent, c'est le point de l'iceberg, et que tout est, t'es capable de dire, et collaboration, ou bien, opération que vous voulez mener avec, PNH, l'y a fait, en secret. Et c'est ça. Et, je pensais que l'y voulait dire, par contre, comment interpréter ça? Bon, le même temps de bail ça, ou une qui est mensonger, coupé cloué. Vous savez, musique couplée que, et coupé cloué était fait de tout petit tête là. Bah, elle a pas gagné ses épaules. Des petites têtes là. Donc, on connaît tout le reste là. Ça veut dire que, en matière d'opération militaire, c'est le secret absolu jusqu'au moment où il y a la première frappe. Si on parle de ça, et puis après ça, on dit, ou pape cap parler de reste là, ou tomber dans théâtre de verdure, ou tomber dans l'anguichat, dans papa Pierre, dans Alcibiade, pour faire théâtre. Et tout le théâtre, pourtant, théâtre, ça a livré un message certain, dans deux sens. Nous, on est niveau angoisse population telle, que même le senti ou pas accepté la vie, puis avec lui, a accepté Bouel. Donc, il y a un message, d'espoir par la population qui est angoissée, qui a tant d'intervention. C'est pas ça le temps, mais non? Mais si c'est ça qui a vint délivrer le diminuant angoissé, l'accepter. Donc, il y a un message d'espoir par
baye moun sa. Ensuite, yo voye un message, ta yon le yon warning message, ah, monsieur, mwen konnen nou, mwen pa vle nan gouma avec nou, tan pri, ma bina on ti jamais de konon a kote pou mkap feti teat ma fea, et puis l'em fini pou nou tout kap sorti gagnant. Son opération gagnant-gagnant. Parce que la propagande en matière militaire se fait après l'action initiale. Ces propagandes vont faire pour gagner les cœurs. Par exemple, ouais, guerre en Ukraine, non? Pas une personne qui te connaît, à part les Américains qui ont un système de surveillance et de renseignement bien rodé, qui t'a dit que opération pral fait, et le pral fait de mal, dans l'imminence. Nous songez, président Zelensky, t'es même proposition publique, il dit qu'il n'y a pas aucun élément qui fait quoi qu'il y a une intervention militaire russe. Donc c'est ça où il est. À la préparation à la guerre, elle est silencieuse. Les Américains ont moyen pour le connaître. Ils disent ça. Mais à l'intérieur de méthodes d'observation classiques, et Ukrainiens n'ont pas de cap ça. Jusqu'à ce que le 24 février arrive, ils ont sous l'effet des bombes réellement. Ça veut dire que la Russie a protégé son opération face à l'ennemi qui va l'attaquer. Ben, on l'autre ennemi gagne, puis go, qui est en ouais, qui parlait. Mais, évidence classique, que tellement pas paraître, que l'Ukraine qui directement concernée, des jours, pas gain évidence, là. Maintenant, c'est exactement même bagaille, là. Message qui veut nous liguer deux destinataires, la population qui est angoissée, qui t'a aimé, effectivement, une action faite, et les vrais bandits, parce que je me dis, les vrais bandits qui existaient en Haïti, c'est pas ça, ouais, dans la rue, yo. Donc, yo, avec, gros, monsieur, ça, yo. Moi, connais, nous, connais, moi. Donc, font, j'ai les menus pour me rencontrer avec nous, pour nous pas mettre dans le problème. C'est ça, message, là, dans quel cadre, on gouvernement, qu'a bien, on l'autre, accès avec, espace, aérien, et comment nous devons comprendre ça? Non, mais, moun, gab, dit, en Haïti, bah, tout doit déjà. Depuis le 7 octobre, les yo écrit yo mandé invasion militaire là yo bay tout droit donc nous pas cap tellement étonné que les pas gain violation de l'espace aérien haïtien il y a l'entrée de forces étrangères dans l'espace aérien haïtien à partir de demande et demande renouvelée non seulement il était fait demande là il a crié devant les Nations Unies une fois par l'intermédiaire de et Jean Généus, il a crié encore une autre fois par l'intermédiaire d'Antonio André, Antonio Rodrigue, il a crié encore une fois, et dernièrement là, pendant Dr. Ariel Henry allait en Argentine, non? Il a même fait ça, et une stratégie de communication, Maningueta. Il a émoussé dans la figure internationale là, la menace que si vraiment Américain pas voulait intervenir, autant de Le Salvador fait déclaration, yo prêt. Or, l'obgade dans le jeu de la communication spatiale qui fait du point de vue international sous question, hein, même côté Le Salvador que vous connaissez, qui vont savoir faire réel, et qui a fait une expérience la Kailin dans le domaine, ça justement, dit lui-même, lui prêt pour l'intervenir, même côté à yo faire la Jamaïque, zon bagay. La Jamaïque dit, la police paraît, l'armée paraît. Mais quand la Jamaïque parle un pays indépendant, son dépendance de l'Angleterre liée. Et quand l'Angleterre rentre non parole, ou automatiquement ce sont les Américains qui ont parlé, quel est le message? Américain dit Salvador, et faut-il qu'on peut reconnaître dans un temps, c'est nous-mêmes qui commandons, pas tellement pressé, soit du pressé, nous allons voir des nègres pareils, yo, ba, yo, ce sont les Jamaïcains. Donc, pas tellement intervenu dans le dossier, ça. C'est un petit peu pour tempérer les ardeurs légitimes. Pas oublier que, pays latino-américain, yo, pays centro-américain, yo, y a un sentiment particulier et spécial pour Haïti. Comme le Venezuela, par exemple, a toujours témoigné. Donc, laissez type contact, yo, qui commence à faire, Tavin, mettez un série de l'autre gros pays que nous paraît dans le précaré américain. Donc, il est obligé de défendre ses forêts, l'Argentine passe à l'offensive. Maintenant, en ce qui concerne cette boule chinoise que Américains ont premièrement constaté qui dans l'espace qui dans le ciel
que yo prend quelques jours et beaucoup moments d'hésitation avant yo descendre. Mais la première règle, c'est l'espace aérien américain qui n'aurait pas dû être violé du tout. Et yo fait, chinois fait avec un niveau scientifique et technologique tel que les Américains ont dû le supporter. Et ensuite, yo géril. Et yo tellement sérieux, yo dit non seulement yo descend boula, mais yo lagué la marine américaine dans les eaux et côté de Sandbar là pour chercher des débris de façon pour cap analyser yo. Et au-delà de débris, leur ambition c'est de trouver la boîte noire qui enregistrait des informations du point de vue scientifique et technologique pour cap connaître exactement quelle information enregistrée. Maintenant, si c'est vrai, parce que toute sorte qui apparaît en matière de guerre, faut te remettre un point d'interrogation sur lui. Gendoua son un ballon qui va gagner la donne. C'est ça, le harassement en matière militaire. Ou poté adversaire à courir attention son sujet qui pourtant vide de façon pour qu'elle puisse découvrir, réactionner ou même pour qu'elle agisse au mieux. Donc c'est dans le jeu classique de la guerre dernière, de la guerre psychologique. Les États-Unis ont agi. Mais moi-même, je continue donc que les États-Unis continuent à avoir même crainte pour intervenir en Haïti, hein, et le Canada aussi pour avoir de conséquences, parce que les données qui font hésiter tout le temps, ça continue à être les mêmes. Et le map analysé action ouverte, tant que vous faites, moi, je dis, ces deux messages, envoyer un espoir à la population haïtienne qui souffre de la situation. Et moun kap dirige yo di yo même yo pa gen solution sans moue pou yo rele. Nous même dans des nèg qui était pyromane qui te mettait du feu en Haïti a kal caché dans l'OEA. C'est lui même nous tande kap di oui mais qualité du feu ça que m'te konn mette a et li pa passé à moi c'est une série de tibou qui de l'eau n'a pote vini. Fon vini avec gros tib gros bagay. Donc c'est de communication qui fait ce sujet a qui dit que dirigeant finalement reconnaît que yo pa capable. Yo pas gain compétence, yo pas gain savoir-faire, yo pas cap faire rien dans sa diriger, mais yo dirigeant toujours. Et que kounya yo men de moun ki ba job là, c'est nous te mettre là sous dom, vini de me lever. Pas vini de me lever, vini lever pour moi. Oui. Parce que si yo t'ap diviner de me lever, yo t'ap constituer un groupe d'experts, un groupe de moun ki connaît dans domaine en Haïti, qui t'ap chita avec étrangers et qui t'ap joindre des solutions sur le plan stratégique et tactique, qui t'a allégé poids qui soudoit le Canada et les États-Unis, hein, laisse un problème dans ta passé entre Haïtiens et t'a résoudre de manière plus durable. Il t'a peut-être plus de temps, parce qu'on a un temps d'adaptation à la technologie qui développait au niveau des armes et des moyens d'intervention et au niveau mondial. Il t'a pris plus de temps pour grande adaptation, mais le résultat t'a beaucoup plus sérieux. Ça, il t'a fait banou, il t'a banou, il fast food. Oui, m'a toujours dit. Opération fast-food, toujours possible, mais c'est au sparade, on mettait son gros java, l'on comprenne, c'est quand vous l'on douleur, là, y'a pas eu un petit douleur. Ou pas senti bien encore, mais maladie a pas éliminé pour autant. Donc, c'est le cas d'Haïti aujourd'hui. Mm-hmm. Mais en faveur de qui ça, parce que, m'songe, n'a pas parlé au fait avec nous là, ou c'est un monde qui parle en faveur, m'était capable de dire de venir de bottes étrangères sous territoire haïtien. Comment nous capables de résoudre ça? Parce que si nous regardons l'actualité pendant les derniers jours, la police ou bien l'opération policière yo mis en déroute, surtout dans la Tibonite, côté que nous gagnons environ 6 à 7 policiers qui mourent, nous gagnons une pétition ville également, nous gagnons 3 policiers qui mourent. C'est peut-être de preuve de faiblesse institution et policière là. Maintenant, comment contrer et on dit vague insécurité ça et dans le pays. Bien. Vous dites en faveur qui ça? Oui, justement. Moi pas en faveur. Moi pas cap en faveur. Moi pas jamais en faveur. Pour moi admettre en tant qu'officier de l'armée, pour résoudre un problème sur le territoire, c'est relayer pour me relayer à l'invasion des forces étrangères. On nous clair sur ça. On a clair sur lui, en tant que officier de l'armée, patriote haïtien convaincu, et ensuite, un intellectuel de la question militaire,
moi pas jamais en faveur d'une invasion territoire pays. Ceci est classé. Maintenant, ça pas empêché que moi réaliste tout. Ça pas empêché que moi connais le ou gen un troupe, par exemple, quand pour la police nationale, qui pas préparé pour des situations de guerre, qui pas armé pour des situations de guerre, que moun kap dirige territoire haïtien ou mette à vivre dans la misère absolue, dans la même misère que population à vivre dans bidonville. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait pour la police nationale pour ta kap gen moral et au beau fixe pour le faire travail coutumier? On pas prendre des travail extra, ça, eux, que vous pouvez, que vous mettez sous boulot. Faut nous poser tête nos questions. Pour qui ça fait nos gros problèmes en Haïti? Les relevés de la compétence militaire et moun cap provoquer des ordres en Haïti, parce que c'est eux qui c'est eux qui c'est eux qui des âmes passées. C'est là qu'a eu les l'argent au fait un kidnapping, un crime en Haïti que l'argent est allé. Au point où je dis à eux, dis nous, oui, l'argent est là qu'a nous. Tout le monde qui a volé depuis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, depuis combien de temps, même sous Jean-Claude Duvalier, sous Dabdou, la Suisse d'où, il y a 6 millions de dollars, la Kaila, 6 millions de dollars, c'est quand vous l'avez dit à son petit, l'argent pour acheter riche. Je reconnais qui n'en met. Donc, il y a dit, depuis longtemps, il y a une complicité contre le monde qui a volé, qui a pillé Haïti pour aller déposer la Kaila. Et tout le temps, ça fait que je me dis rien. Maintenant, c'est même monde, ça, m'a demandé pour venir aider me résoudre le problème que je provoquais. Mais mes amis, bon problème. Pour qui ça a le bon business, c'est lui qui a fait 4 touches, c'est lui qui a 24 touches, c'est lui qui a 20 âmes, c'est lui même qui a utilisé le territoire pour drogue passer sous lui pour gommer si vous venez la caille. C'est lui même le million saisi, lui prêt au là avec eux, et il va jamais montrer nos côtés à brûler eux. Et puis c'est lui même qui a bidé ce problème. C'est quand vous n'êtes défini par mon voisin, et puis mal la caille, il dit, t'en prie, maman, tu dois pas. Là, nous connaissons, si nous faisons ça, nous n'en blague. Maintenant, ceci étant dit, qui ça fait la police nationale faite? Et qui ça t'est fait pour la police nationale pas faite? Qui est-ce, moun, depuis plus de 25 ans, qui toujours a accompagné la police nationale? L'homme policier n'est pas capable encore. Il est obligé de déserter. Y aller. Dans qui pays y aller? Donc, il n'y a pas qu'un observatoire pour tout ça. Qui, bon, il y a formé une unité armée, et puis pour y gagner plusieurs sources, la France fait un peu, le Canada fait un peu, les États-Unis fait un peu, chaque t'es dans l'armée là, chaque t'es chimé et venu rentrer. Yo connaît très bien, doctrinalement parlant, yo va jamais faire melting pot ça pour yo former une unité armée. Donc si yo viole les règles au départ, yo connaît pour qui ça a été violé, et nous arrivons côté de violer là, ceci n'enlève pas la réalité du courage et de la volonté vraiment de servir qui habitait en pile policier qui en dans force police là. Que si on était bien encadré, on était baillé les moyens pour faire travailler, comment tu peux parler de la police quand tu élimines la justice? Donc toute élimination faite dans le système judiciaire, non, c'est au hasard fait. Maintenant, comment tu peux demander à l'armée, à la police d'aller résoudre des problèmes de l'armée? Mais monde qui mourit, policier qui mourit dans les actes qui mourir, ce sont des personnes de courage, qui, comme de Rambo, qui allait dans un job côté condition y aller, y a tout mourir, on va y déplacer. Mais il fait quand même, des fois par inconscience, parce qu'il est très clair, c'est en violation de toutes les règles, de toute opération classique y aller. Mais y aller. Maintenant, question, est-ce que vous êtes allé spontanément comme policier, qui n'a position dans la rue, et puis vous dites au bon problème, vous côté y aller? Ou bien est-ce qu'il y aller sous des ordres de commandants qui décident de y aller? Même ces éléments, ça m'a pas gagné, qui fait pas qu'à prononcer sur ça. Mais toujours est-il, quand tu envoies un bonhomme, 4 moun, 6 moun, aller un côté qui a 30-40 moun qui armé d'armes de guerre, ou violer une règle de base des opérations. Et faut nous prendre dans le cadre des opérations militaires. Parce que les opérations militaires, rentre dans la proportionnelle de 1 pour 3. C'est que pour un ennemi, il faut avoir 3 attaquants. C'est pas qu'à l'inverse qui fait. Et règle établie, c'est pas par fantaisie établie. Donc, si tu violes la règle de base, si nègre la gagne 10 nègres, ou obligé d'attaquer là avec 30 nègres, et ou tout obligé gagne 30 l'autre nègre qui tout là, pour si notre 30 nègres attaque initiale ou à gagne, tombe pour tout gagne réserve là.
m'attendais à dire moun qui rentre en opération coup d'âme retamaille et puis après dans téléphone vous mandez renfort. Ça pas existé aucun manuel opérationnel. Donc si les policiers avaient reçu des ordres vraiment pour aller agir dans ces conditions-là, ce sont des sacrifiés comme les sacrifiés du village de Dieu. Parce que nous le sacrifié village de Dieu était fin fait, nous est pas monde qui était responsable qui était dit au vouloir opération, c'est au même grand qu'elle fait fête avec eux dans beau bras et bail la main. Et nous avons été gain capacité pour récupérer son matériel, mais pas gain capacité pour récupérer les cadavres ou bien pour faire effort. Bah dit non obligé réussir parce qu'en matière militaire, la réussite n'est jamais absolue, elle est toujours relative. On gain droit gain, on gain droit perdu, son affrontement lié. Mais quel effort a été fait? C'est comme le gouvernement haïtien. Alors, moun qui n'a en position de gouvernant en Haïti, quel effort ils ont fait depuis 18 mois, même sur le plan intellectuel, pour avoir été réunis des moun qu'on est dans le domaine de Pouchita, pour ta conseil ou bien pour travailler pour résoudre le problème. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont pas fait parce que ils sont partis des crimes. Ils sont les premiers profiteurs des crimes. D'ailleurs, c'est toutes des autres qui ont fait là, qui fait qu'ils ont permis de rester au pouvoir pendant 18 mois sans jamais rien faire. Et puis, Abdou, c'est eux pour être là, c'est eux qui fait pour là. Donc, pour, par leur complicité dans les crimes contre le peuple haïtien, par leur ignorance, leur incapacité, et surtout par leur jalousie politique en perspective, parce que si il y a des techniciens en Haïti qui résout le problème, ça, il y a vu par la population, comme étant des héros, comme étant de monde admis, ils ont mieux parlé ça. Parce que une vraie population, toujours, on pile imbécile, on pile ignorant, on pile lâche, on pile volé, tout, qui a crié pour monde vider de eux, de travail, ils fait pour des gains pour faire. Ça pas voulu dire qu'on pas besoin d'être dedans, parce que aujourd'hui, dans le point de délitement, de affaiblissement que ils mènent un pays, on pas capable résoudre le problème ça à fond, sans l'assistance technique, technologique, scientifique, des étrangers. Nous clair. Mais tout, il est anormal que nous demandions que ces étrangers qui viennent de tout travail que nous prenons responsabilité pour nous faire. Donc, je ne suis pas dans la position du patriote bête. Moi, comprendre que côté humain et nous, n'ont pas d'autre alternative que nos collaborations avec étrangers. Mais j'ai aussi la conviction que étrangers ne peuvent jamais résoudre le problème non pour nous. Yo pas bien faire ça petite par vin couler là parce que yo connaît conséquence c'est gabier pour la caillou. Donc quel que soit j'ai reviendront aujourd'hui demain ou dans 10 ans si nous voulons résoudre le problème ce sont les haïtiens qui doivent résoudre le problème. Et ma fin au dernier mot pour me dire. Grand pile monde qui croit. Grand pile monde qui espérait que résoudre le problème qui est là c'est marcher tuer tout petit bandit ou mettre en avant yo. Ça aurait été une très grande erreur, ça pas t'a solutionné le problème non parce que grand pile monde qui bandit je dis c'est quand vous petit nous était cabier parce que nous abandonné dans la crasse, dans la misère, dans la saleté, aucun espoir. Même je me demandais sport là passeport intervention que une dame qui fait qu'a bail toute explication sociale dans bagaille nous hier. Un bon l'état qui abandonné citoyen ou t'a même dit qui raillit citoyen qui est dans la crasse, dans la misère, sans éducation, sans aucun espoir pour vivre. Donc, là où moun paraît li offrir un corps, lui font moi un peu au cap manger un spaghetti demain matin. C'est lui qui balil. Et puis après ça, demain matin, le balle aux âmes. Ou à dire pas prendre, qui j'ai voulu faire pas prendre. Et je dis à ces moun sont mandés pour me prendre stratégie mal tué. Non. Un cap montre une stratégie pour mal arrêter moun qui fait problème d'exister, hein. Parce que la mission de l'État n'est pas de chercher à tuer ses citoyens. Même là où moun sont bandits. Job l'État. Et c'est ça la police apprend, c'est arrivé neutraliser mon nom, mettez l'autre côté pour répondre à la question de la justice. Donc, nous pas qu'à prendre problème dans la tête en bas, et puis nous mélanger moun qui provoque problème, non, avec moun qui a subi problème, non, et puis nous comprenons, nous qu'à blender au tout, non, c'est le blender, pas marcher comme ça. Donc, la position est très claire, nous n'en sortirons pas sans l'assistance de l'étranger, mais l'assistance intelligente qui pourrait permettre de résoudre problème, non, vraiment, et non faire mascarade, qu'à fait dans l'avion, qu'à voler, qu'à faire reconnaissance, qu'à dire la faire reconnaissance, ça, c'est théâtre de Verdun, nous, ou bien impérial, nous, dans le cinéma, Rambo. Et position, là, grand pile, monde qui partage, c'est, on appelle ça, c'est,
mais divergence sous ma venue de botte directement sur territoire et sous et assistance là et on assistance on dit technique que j'en dis là gagner les très difficile pour rejoindre de monde qui en pas d'accord sur point ça maintenant gagne de monde qui était vrai que nous pose question ça en tant que colonel assistance consistait et en quoi concrètement. Et parce que de manière générale, mon yore me dit, on assistance technique, il répète l'empile. Mais concrètement, qui ça nous doit gagner? Est-ce que nous devons agir ou bien aller avec alors est-ce que nous devons considérer force publique que nous gagnons là? Et ou bien est-ce que nous devons faire de mobilisation? Je nous vois là où c'est fait là. Alors ça, c'est de opinion m'a pu mettre là, de opinion que tout le monde gagne. Et pour nous accompagner avec assistance technique là, qui peut-être ouvre un petit détail pour nous, hein. Comment faire? Bon, en ce qui concerne assistance technique là, métier que m'apprenant, que me connais hein, et que me respecte les règles, pas permettre moi parler de ça. Moi, cap parler de ça avec des et pas parler de ça devant n'importe qui dirigeant haïtien. Parce que grand pile de dirigeants haïtiens, c'est eux qui mettent business volé. C'est eux qui mettent business, population, y a pas assassiné. Au point qu'on les a assassinés en masse. Au nom pays, y a des bails qui passent en semaine, y a 200, 300 mouns qui mourent, pas tant de, un moun qui a dirigé le pays a dit quoi que ce soit. Donc, ce sont les complices des assassins. Les vrais assassins, c'est eux. Mm-hmm. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient là pour protéger la population. C'est eux-mêmes qui étaient là pour te premier crier les grandes petites populations mourir dans mauvaises conditions. Nous assistons, nous, ouais, dans une semaine, deux jours après que des policiers perdu la vie ou gravement, je vois ça passer, hein, ou un monde qui a dirigé le pays après un avion, il virait de l'alflané dans le pays étranger, il n'a pas dit un seul mot concernant policiers avant de le déplacer. Cela veut dire quoi? C'est le mépris de l'autre, le mépris de la souffrance de ceux-là qui ont perdu un être cher. Dans tout pays normal, on va être constaté arrivé. Autant pour un dirigeant, il n'est pas déplacé, même s'il est pour le déplacer. Maintenant, si par extrême, il est obligé de déplacer quand même, en train de déplacer, il t'a présenté une excuse à la population. Mais ça vient d'un pays maintenant. Mais des obligations d'État obligées de me déplacer quand même. Mais qui initiative moi prend? Moi, m'en dis d'abord, moi présente sympathie à mon soeur qui perd du mari, petit, et papa, yo. Moi connais son problème, mais qui disposition prend pour chef de la police, ça maintenant quelques problèmes au rapport. Au retour, et pour dire qui disposition il a pris, mais obligé de déplacer, mais pour me tourner, ma prendre des mesures pour me rencontrer avec vous. Mm-hmm. Si ça t'est fait, ça passe en d'aéroport, pas t'a passé. Parce que mon cap dit, il y a conscience que là, il y a un problème. Il n'y a pas une solution immédiatement, mais il n'y a pas mépriser le problème. Et c'est pas, c'est mépris, ça, qui explique ce qui est passé à son retour dans l'aéroport. Et après ça, on vient de souffler en dessous, qui va aller plus, qui va nous émouiller, qui va essayer de faire coup d'état, etc. Pour faire coup d'état contre Ariel, pour qui ça? Ariel, il y a tout l'Amérique avec Canada, là. Donc, on va faire coup d'état sur le monde qui sort. Puis, t'as peut-être que, où t'as fait coup d'état contre, t'as bon, l'autre Ariel, même côté, il est imbécile. Maintenant, c'est toute souffrance, ça, que propre dirigeant, yo, imposé à toute population. C'est là, le vrai problème, là. C'est deux volets qui cachaient, t'as mis deux volets à cravate, que comprennent les mondes sérieux. C'est quand on voit bagaille, on prend HCTA, qui ça vous fait? On prend des monde que vous comprenez de population comme de bon sérieux, on met une figure de monde pour qu'on continue à faire même théâtre, continue à boire sans population. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il faut, ce qu'il faudrait, ce qu'il faut faire sur le plan stratégique international, comme officier, nous avons un devoir de réserve. Parce que, en matière militaire, en matière de défense d'un territoire, jamais de son effectif, de son équipement, de son matériel. Ou qu'à parler avec un qui parle le même langage avec eux. Même si, si je dis à mon pôle technique national, qui rencontrait avec des techniciens de l'armée américaine, de l'armée canadienne, nous chitons parler, ça nous dit au kit nécessaire pour résoudre le problème, non, je ne peux pas jamais à le répéter publiquement. Parce que éthique métier n'a pas permis ça. Oui, là, on peut parler, on peut dire qu'il est nécessaire. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on parle d'équipement, de matériel, à chaque équipement, à chaque matériel offensif, il y a un équipement, un matériel que même fabricant fait pour la défensive. Cela veut dire que même gens qui ont fait un missile,
c'est même moun qui fait missile là qui font zam anti-missile pour. Donc si vous déclarez ça gagne ou tout bay moun qui en face ou a information pour la chercher contre. Ces affaires du son moun a parlé de matériel, de équipement, de armement ou troupe qui gagne pour le défendre tête li, son moun ka bay blague, son moun ka fait diversion, son moun qui nan guerre psychologique, c'est pas moun ka parler bay sérieux. Nous, ma permettre en opinion que deux monde nous partage ensemble avec nous et peut-être voulez que ou ta essayer porter des éclaircissements ou bien pour ton réponse par rapport avec ça. Il y a deux monde qui dit certainement il y a autant des points de vue pour et points de vue l'autre que de l'autre monde partagé et il y a connaît les vrais responsables de cette insécurité et on connaît que en un claquement de doigts si vous voulez résoudre li il y a pas résoudre li il y a pas voulu que de botte rentrer sous territoire ou bien fouler territoire noir. Et yo en faveur yon coopération technique, mais maintenant la question qu'il se pose c'est vers qui tourner ou bien se retourner, parce que le n'a regardé dans région et américain et moun selon ça nous pensons qui véritablement et gagné de moyens pour aider nous c'est les pays les deux grands géants de l'Amérique du Nord et moun sa yo entre parenthèses et nous vraiment dit c'est yo responsable sur là maintenant et est-ce que et selon vous même nous devons retourner ou bien est-ce que n'a besoin appui ça nous solliciter ou bien appui ça que nous souhaiter appui technique ça vers moun sa yo est-ce que les stratégies tout pour nous retourner et nous vers Mounzao et colonel. Écoute, tu vois, les questions qui président à la gestion d'une nation, ce sont des questions qui n'ont jamais, il n'y a jamais d'absolu. Et sont règles de vie liées. Et Guillaume Bagakidou, rien n'appartient définitivement à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Pas un monde qui est définitivement faible. Pas gen un monde qui définitivement fort. Ça dépend de qui ça moun yo pense. Ou dit par exemple, il est très clair que les États-Unis, le Canada et plusieurs autres pays en complicité avec ça qu'a fait là. Et c'est pas nous-mêmes qui dénoncer, non, c'est eux-mêmes qui dit non ça oui. Là par exemple, un pays d'où li sanctionner tel monde parce que moun nan te nan trafic drogue depuis 20 ans y a suivi li. Et li saisi kòb moun sa. Comment il fait saisi kòb moun nan? Li gelé kòb moun sa. Comment il fait gelé kòb moun sa? S'il pa konnen côté kòb la e. S'il pa t'a suivi depuis combien de temps kòb la t'a vinn déposer là. Donc là ça t'a fait là, li pa konnen c'est ton monde qui était dans activité criminelle. Comme ça pas te déranger. Et comme richesse là que le vol est la caille là. C'est la caille moins li vinn déposer, on pas parler de ça. Les bagages là sont du boulevard mal. Moi, font propagande, moi, je dis, comment peut saisir qu'il pas dans même? Et comment il te fait dans même? Depuis tout ça, m'a pas dit rien. Donc, pas de moralité en matière politique, en matière d'intérêt stratégique. Maintenant, pour qu'il y ait un monde qui est en face, qui est puissant comme les États-Unis, qui est puissant comme le Canada, si on a des stratèges qui pas accepter principe faiblesse là, dans la tête, mais qui connaît une solution qui concerne toute une nation pour venir là, il y a le jeu stratégique pour arriver avec. Gen des moun qui t'a travaillé sur dossier là. Pour t'a pour les États-Unis t'a couru rapidement ba yo ça a besoin pour résoudre problème. Non bon pour qui ça? Parce que ou tande les États-Unis, li nan compte avec la Russie. Ou pas ouais tout zam la ba l'Ukraine, yo toujours dit, li toujours met en restriction gen des lignes pour nous pas traverser. Pour qui ça? La fait propagande l'a dit la Russie faible. Mais le compte s'est menti. Il connaît tout faible, il n'a pas besoin à l'attaquer là, la parce qu'il connaît bon bagage, il gagne en main, que le pauvre mette un jour, mette le dehors tout le monde dans un. Dernièrement, nous connaît toute misère, les États-Unis fait le Venezuela passer. Nous songez qui position, et les États-Unis te gagnent face à moun, et monsieur Tête Mario. Ou réplisse sous basse moi, Jim Pierre Soye. Et que même je te dis, je pour faire tourner des parias, peut-être, journalistes là, ont été assassinés, dans Istanbul, là. Ou pas, ouais, les situations posées, même les gens, tu t'as fait tourner parias, ou bâché à l'balle, là, mais. Et c'est pas des missions, tu es voyant, c'est président Biden, même, où t'es allé.
On va parler de Arabie Saoudite alors et ah, leader. Moi dès qu'on est vous puis j'aime passer mon cerveau puis bon passer mon tabédé mais bon deal. Et après ça les bois marés en Ukraine les recommencer ouais conséquences au niveau du monde problème et gaz et pétrole va produit. Ou pas gagner des guides faire des mettre costume sur yo albaylan mais avec Maduro. Pour qui ça parce que devine faible non. Parce que Maduro fort, faible ou bien parce qu'il fort? Non. La force et la faiblesse sont toujours relatives. L'idée d'abord n'est peut-être pour nous agir. Maintenant, pour répondre à ta question, vous dites, comment faire nous t'as penser que c'est même on qui t'a profité de l'argent d'ailleurs, même Sébastien Carrien qui a fait superstar en Haïti, n'importe où presse là. Ou bien elle dit que l'argent, ça a eu des volets ensemble avec volets qui ont déposé au Lacayo et au Canada. Ils n'ont pas pris tout le bas Haïti. Mais a fait humanitaire avec lui. Donc, maintenant, c'est même nex au mandé, qu'on y a pour mandé pour résoudre un problème qui est bon pour lui. Mais mes amis, pas besoin qu'a fait. Par contre, il y a des situations dans le jeu stratégique, dans le déplacement des plombs, des pions sur le plan géostratégique, qui cap fin faire, ah, mon cher, bon, nous pas gagner, bah, ça a continué. Bon, il me l'a eu, son moun fou, du qu'on est gagné, 15-20 techniciens dans tout domaine que le cabrilé pour monter une stratégie. Bon, on faut sortir dans le bas, qui te moun fou ça à fond bagaille, et puis après, on a tué M. Videva. Y a fait, lui. Y a fait. Maintenant, c'est qui, si c'est des moun qui a pleuré, à le crier, à le plaindre, à le dire, des boquilles de l'eau. Y a, des boquilles de l'eau, t'as pas dit, y a pas ton petit tas de l'eau, bah, ou? Mais si, au contraire, y a eu des moun qui compte de qui ça a parlé, qui cap, ou vous gougez moi côté petit pays petit à faire pression sur Negonet, eh ben dans la Bible pas d'Abdou David définit pas résoudre problème na Goliath. Il n'y a pas de limitation dans le cerveau et des gens décidés mais qui rationnel. C'est quand qu'on m'a dit par exemple quand qu'on pas d'accord avec bot rentrer dans pays, c'est vrai. Mais en 94 les bot ont rentré. On pas dans le suicide des têtes mais parce que bot qui rentré. Parce que, en tant que militaire, moi, pas là pour m'aborder des questions sous un sam d'un mère, me fait pour m'aborder sous un sacrier. Et m'a fini pour me dire que le problème haïtien a des solutions beaucoup plus faciles que nous t'avons imaginé que nous t'avons. Quoi? Parce que le problème que nous voyons se manifester dans la vie et de la citoyenneté au quotidien, ce côté nous est manifesté, c'est par l'allié. Ma bon dernier exemple. On va remarquer, bon flou kidnapping qui a fait sans arrêter parce que on folie gain pour faire kidnapping pour qui ça? Parce que le Canada, les États-Unis, a mettait des restrictions dans sous côté problème n'a sorti là. Il y a un pile monde sur le plan économique et financier qui gagne des craintes de grosse série de liberté au baba tête yo et comme système n'a toujours besoin quoi? Donc social et prendre dans kidnapping. C'est justement un bagage qui dit nous qui bon problème là. Donc, si nous devons résoudre, ce n'est pas en bas pour nous résoudre, ce n'est pas si bandit dans la rue pour nous chercher à le tuer. C'est pour nous monter, pour nous gagner courage, pour nous arrêter, mettre à répondre question à la justice, monde qui mettre d'œuvre bagaille qui passait. Ou pas, ouais, et dernièrement, là, dans le président Jovenel Moïse, ou pas, ouais, rentrer carrément, ou venir prendre 4 monde qui mettent question dans le là, et tout système juridique là-dedans, que tu as en confrontation entre moun se avec deux moun qui menu fouetin qui t'est participé de manière directe ou indirecte dans le crime pour que ça vienne prendre la veille. Parce que la manifestation de la vérité, il doit gêner un pilote moun. Donc, il faut circuiter. Et moi-même, moi pensais son bagage normal dans le jeu et tactique sur le terrain. Si mon bagage m'a peur pour défendre tête, moi, m'a fait. Donc, moi-même, moi, quoi que, et moun nou grand Haïti k'ap dirije la yo bon pa même besoin parler avec yo parce que yo pa, d'abord la première chose qu'ils auraient dû avoir c'est la volonté de résoudre le problème. Ils sont des vicieux, ils sont des voleurs, ils sont des lâches, ils sont des incompétents et ils sont des menteurs. Et puis gros mentir ba nous c'est mentir installation de un matin à 11h on bagaille et cinématographique que les HCT que au préal bagage yo connent très bien son mentilier mais yo campé dans figuino yo ba nous quand même. Donc c'est là les patriotes ne doivent pas partiser dans le mensonge qui anéantit la population. Et là c'est un rôle que madame Aniga choisit, pas choisi.
yo ba l'île, yo impose l'île, li accepte l'y assumer avec toutes les conséquences de l'histoire. Colonel Rebu, merci un peu pour disponibilité ça au te accordé Magic 9 et matin son plaisir pour nous faire parler ensemble avec vous. C'est moi même qui remercie nous dit population pas découragé parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui parlent les Humler Rebu mais qui ont même caractéristiques qui ont volonté pour colter la question et chercher des solutions. N'a fait comme tout ça l'ouverture l'avait dit. Le retirer M. Domingue, nous font gros actes, c'est vrai. Mais la signe profonde et nombreuse, ça pourrait pousser. Nous avons besoin de quelques Toussaint Louverture en Haïti aujourd'hui. Bonne journée.